Yo tout le monde, c'est JulesMF94, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Nous sommes aujourd'hui sur Paris-Charles de Gaulle à la porte E13 pour aller vers Lisbonne. Donc normalement on aura un... On mettra 2 heures pour le vol, mais bon. Donc on est tout de suite parti dans notre cockpit. Donc le catering service et request, on va tout de suite venir allumer notre external power, nos deux batteries sur on, éteindre les générateurs, armer nos emergency lights, seatbelt sign, enfin no smoking sign, seatbelt sign on, nav and logo on, voilà, tester la boîte noire, tester les instruments dessus, hop, c'est bon. Donc on va tester les détecteurs de feu, enfin les alarmes incendie, hop. On allume nos IRS, on va tester les petits voyants partout. Bon. Tout a l'air d'être bon. On est tout de suite parti pour ouvrir les portes pour le service. Hop. Et on va peut-être tout de suite rentrer. Non, on va peut-être attendre. Donc voilà. Donc, le flight instrument test. Non, on va tout de suite le. Load, le fuel, le payload. Aujourd'hui, nous aurons 105 passagers comme d'habitude avec 2 tonnes 6 de cargo. Et il faut juste que je retrouve hop, mon mail. 7 tonnes 25 de fuel. On va commencer à load le fuel. Cargo, passager, hop, ils vont tout faire. Allez, on est reparti dans la checklist. Fuel and payload. Les 4 écrans. On. Mince. On. On. La radio. La petite caméra vidéo, le transpondeur en stand-by, le QNH, je crois qu'il est 2012, ou peut-être pas, attendez, je vérifie, hop. Et QNH, il met 1015 sur Rex. Echo, Bravo, November, Craft 15 right, hold short, 15 left, Cactus, 2137. 1015, voilà. On va contacter l'ATC de Gaulle Grand. Request IFR clearance. Donc on va faire un premier palier à 6000 pieds. Ah. Avec un transpondeur à 3372 qui est rentré. Que nage ATC, ok, on n'a plus que le taxi. L'autopilot, il est configuré. Et on va tout de suite partir sur notre FMC. Hop. Aujourd'hui, nous faisons un vol entre LFPG et LPPT. Hop, on va charger la route. Bravo November, still cross 50. JetBlue 471, cross 1015 right, hold short 015 left. I'm sorry,
Donc là, nous attendons qu'il charge la route. Il est assez long. Mince, j'ai oublié, on va request le boarding. Flight number. Nous sommes le vol AF-1024. Hop, il y a juste le petit bug avec le cockpit qui revient pas. C'est parti, nous aurons un cost index de 60 et un niveau de vol 360. Ah, maintenant, flight plan. Hop, on enlève là. Ah, bah tiens, l'approche est déjà rentrée. C'est. Ligrias. Ah non, elle est pas rentrée. C'est Ligrias 5A normalement. On va la rentrer. Nous faisons une approche piste 03. Donc c'est 109.1 et 0.26. Déjà ça on peut noter. 109.1 et 0.26. On va retenir. On fait une approche par Inbo 5K. Alors moi, on n'a pas noté les mêmes choses. Je sais pas, moi j'ai noté Inbo 5K. Bon, on va rentrer. PPT 03, juste un nouveau. ILS. Donc 109.1, 026, comme on avait dit. Hop. Alors, flight plane, RAN nav, init, it's ok. Performance, nous décollerons flaps 1. Et un flex de 67 parce que on a le temps. On est dans 65. Ah mince. Hop, 65. On va augmenter 130. 141. 146. La transition est à 5000. Nous n'allons pas faire de réduction. Le QNH sur Lisbonne, il est 2. Alors, parce que là, du coup, on a le temps de se préparer. Donc, LPPT, QNH 1017. Température 18 degrés. Ah, il fait plus froid qu'à Paris, donc à Lisbonne, ça c'est rare. Alors, 320. La direction du vent, 320 pour 7 nœuds. Alors, déjà, on va voir si tout est load. 260, 25, 24. Tout est load. On va pouvoir fermer nos portes.
Zulu, runway 15 right, hold short of November. Bravo, Zulu. On va pouvoir aussi démarrer notre APU en prévision pour pas trop perdre de temps après. Hop, on, alors on termine juste ici, la transition est à 5000. On, hop, flaps full. Et notre FMC est configuré. Du coup, APMC début configure, cockpit preparation checklist complete, before start checklist, fuel pumps all open, APU, APU bleed start and on, parking brake, on va le set. Ah, il s'est toujours pas fermé celle-là. Aft left. Hop, front left. On va enlever la passerelle, le parking brake est set. On enlève les wheels, les chocks. Nous pouvons nous mettre sur l'APU. Donc nous enlevons l'external power. Hop. Ground service disconnected, doors closed, ATC clearance. On va allumer notre beacon. 26R using P, RP5R. Relis à gauche, ok. Hop. Donc on va request le prepare for pushback et departure. On va aller à gauche. No. Ok, donc ATC clearance obtained, beacon on, pushback requested, before start checklist completed. Alors la start engine checklist, generator to generator ones on, engine mode selector IGN, et on attend juste de commencer. En attendant, nous pouvons faire l'after start checklist. Donc taxi lights on, nose lights taxi, relief radar on, auto brakes max, spoilers, arms, flaps, 1, trim, 0,8. Et on n'a plus qu'à faire le flight control à la fin du poussage. Du repoussage, c'est comme ça. Hop, c'est parti. C'est parti, moteur 2. Bon, je pense que je vais couper le roulage après pour aller plus vite. C'est parti, moteur 2, moteur 1, oui. Enfin le deuxième qu'on allume, mais... On attend l'hydraulique qui démarre.
On peut freiner et puis ça, ça stoppe le poussage un peu. Oui. Non, mince, les moteurs sont démarrés. Engine mode selector normal. APU, APU bleed off. Le parking brake, on va le set après. Factil, full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Up. Contrôle, point virgule, le parking brake, on set. Full left, full right. Neutral. Alors j'ai pas fait full up. Full down. Neutral. Ok, tout est bon. Ok. Parking brake, donc engine start checklist completed, after start checklist completed. On attend juste qu'il termine son truc là. Et le gars là il fait coucou aux autres. Have a good trip, on est parti. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure pour le décollage. Et donc nous nous retrouvons pour le décollage. Donc le temps que lui se pète à jour. Hop, landing lights on, strobe light on, taxi light off, nose light TO, request clearance. On a fait. Donc l'air fort take-off. Donc taxi lights, landing lights. Donc taxi light off, landing light on, nose light TO, strobe light, ATC clearance obtain. Ah merde, j'ai oublié, non, j'ai oublié la réponse. Hop, transponder TARA, clock on, V1 rotation, V2 checked, TI's not required, ready for takeoff. On va éteindre peut-être nos packs pour moins demander de pression à nos moteurs. On est parti. Moteur synchronisé, flex. V1, rotate, V2, positive climb, gear up. Okay.
Donc on contacte le départ. Ici nous pouvons voir l'aéroport du Bourget. Enfin, je sais pas si on peut faire ici c'est l'aéroport, mais. Ouais. Donc là le Bourget, là-bas c'est Paris, puis ici vers là, donc là c'est Paris et tout. Et là-bas il y a Orly, donc Paris Sud et tout. Donc flaps, retract, donc afternoon, autobrake disarm, spoilers disarm, QNA, stress level climb, climb strobe lights, off. Les packs 1 et 2, on les remet on. On met l'autopilot. On va passer les 5000 pieds. Donc, le QNH, on va le mettre en standard. Les nose lights, on les met off. Ouais, c'est ça. Hop. Et donc, nous terminons notre départ. Donc c'était un beau départ de Paris Charles de Gaulle, donc qui est encore derrière là. Ils vont me dire de monter à 14 000, je vais le faire après. Donc voilà, et donc je vous dis à tout à l'heure pour l'atterrissage sur Lisbonne. Et donc nous revoilà pour l'approche sur Lisbonne. Donc l'aéroport est juste ici. Alors j'ai pas lu là le temps. Alors turn right et ligne 305, ok. Bon là on va peut-être encore attendre parce qu'on est un peu haut. Donc voilà. En attendant, on a passé les 10 000 pieds. Donc, landing lights on, strobe lights on, seatbelt sign on. Je recherche juste ma checklist. Seatbelt sign, ILS, PB, oui. L'ILS qui est rentré. Terrain,
Il n'y a pas de terrain. On va éteindre la météo. Oui, il y a juste des turbulences, mais c'est pas grave. ILS, PV. On est encore un peu haut, on va descendre un peu plus vite. Pour ensuite raccourcir notre virage pour capter l'ILS. Parce que comme on peut voir ici, là, je vais juste zoomer. Voilà, là, on va peut-être faire le virage plus tôt. Ouais. Ouais, bah là, je crois que de toute façon c'est trop tard, on n'a plus le temps. Je vais mettre un coup de spoilers. Je vais augmenter notre plan de descente. Donc l'aéroport qui est juste là, on va atterrir piste 03. Donc voilà. À 5000 pieds. Le QNH. On a dit 1015. 1017 je crois. Je m'en rappelle plus, je regarde. Hop. 1017. Autobrex, on va aller à Arms. Et là il est déjà en mode approche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retirer nos spoilers qu'on va armer. Parce qu'on arrive bientôt à 3000 pieds. C'est parfait. On va reprendre la vitesse en manuel. On va la mettre à 180 nœuds. Spoilers, nose lights, Théo. Ok, it's ok. On va mettre Flaps 1, Flaps 2, la piste droit devant, Lock PB Press, c'est le bon, on va mettre l'approche. Trafic. Il y a un trafic apparemment. Je crois qu'il est derrière nous. On met la P2. Ok. On peut retirer le bip bip, ralentir 135 nœuds. On va utiliser nos spoilers parce qu'on n'a plus le temps. On sort. Hop. Le train d'atterrissage, Flaps 3. Hop. Flaps full. Ok, landing. Ok, final checklist complete. On va passer. Alors là, on va reprendre en manuel. Il y a quelques turbulences sur Lisbonne. Pas grave. Landing checklist. Landing gear down. Flaps full. ATC clearance obtain. Autopilot disconnect. Landing checklist complete. Maintenant, c'est parti.
On va ralentir 132 nœuds. Je crois qu'il y a quelques turbulences et l'Airbus galère un peu. On va peut-être aussi mettre les autobrakes au maximum. Alors, avec les turbulences, on devrait peut-être prendre une petite marge de sécurité. 136 noyaux. On va réattraper le glide. 03, c'est la bonne. Ah ouais, le vent a changé d'un coup en fait, là il vient de la gauche alors qu'avant il venait de face. 400 200 200. On atterrit en voie de travers. 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Parfait, spoilers on, enfin déployé. On a les reverse, les spoilers, les freins. Reverse disengage. Je crois que je vais sortir par là parce que j'ai envie de sortir tout de suite. Ouais, non, on va utiliser l'autre piste. Finalement. Bon, on a freiné très vite pour rien. Et là, pour le coup, ouais, quand on met les autobrakes au maximum, ça ne gêne pas. Bon, là, je crois qu'il va y avoir un petit problème. Ah, il y a des trafics aujourd'hui apparemment. J'ai failli louper la piste. Je vais sortir quoi. Donc, on peut même commencer à démarrer l'APU, éteindre les landing, les noses. Alors lui il traverse la piste comme ça. Bon. Donc, flaps, retract. Là il faudrait peut-être l'after landing checklist, flaps retract APU start, taxi lights on, nose light, taxi landing lights, strobe lights off, transponder on va le mettre standby,
Transpondeur, standby, clock, on va la stop. On a 2h07, vous voyez, on a atterri il y a 7 minutes, c'est parfait. Oulala, là là, alors la passerelle là. Bon. Bref, relief radar off, ground ATC contact, airport vehicles. On va les faire attendre à la porte. Je ne sais pas du tout c'est quelle porte. Donc les passerelles sont bizarres. On va essayer. Voilà, on a trouvé une porte. Ok, donc after landing checklist, complete it. On va pas trop accélérer pour éviter d'arriver avec une trop grosse vitesse, comme ça on n'a même pas à freiner. La passerelle, c'est très bizarre. Ok, parking checklist, parking brake set, la PU lui a démarré, engine 1, on va connecter la passerelle, éteindre le beacon. Éteindre les feux de taxi, éteindre le seatbelt sign sur off, générateur 2, générateur 1 off, ground service. Donc request de boarding. Bon, ce serait bien que la jetway elle arrive. Ok. Bon, on est parti. On va fermer. Non, les fumpons sont pas fous. La cloque. Le MCDU, il est 7, la cloque, mince. On va l'effacer, donc 2 heures pour venir. On va ouvrir nos ports. Hop. Le ground service, on va tout connecter à part l'external power parce qu'on repart bientôt. Donc voilà, je crois que c'était tout. Hein. Rien d'autre de très spécial à faire. Donc voilà. Les passagers sont en train de descendre. Moi, je vais donc terminer ce vol. Je vais charger le plan de vol sur le simulateur. Donc, je l'ai déjà rentré. J'ai plus qu'à faire en haut là dans le scénario load. Et puis après, ça va. Je vais charger le plan de vol. Je vais mettre la porte sur laquelle je suis. Je m'en rappelle plus. C'est laquelle. Non, bref,
Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc qui sera le retour sur Charles de Gaulle. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et partager. Allez, bye.